Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va marquer un tournant sur cette chaîne YouTube. Et oui, vous avez bien lu le titre de la vidéo, il est question du nouveau projet, la réalisation d'une série vidéo Hypercar. Eh, je me fous pas de votre tronche là. Imaginez voir les coulisses d'une telle réalisation en vidéo, c'est du jamais vu. La plupart d'entre vous avaient suivi la réalisation de A à Z de ma GT40 à travers plus de 70 épisodes. Et après 4000 heures de travail, elle est terminée et elle roule. Et d'ailleurs, vous aurez la possibilité de précommander la GT40 Mango, donc exactement la même que la mienne, mais au 1/18e, donc fait à peu près 24 cm de long. On en reparle plus tard dans la vidéo, vous allez comprendre comment vous la procurer. Le projet Hypercar, il ne sort pas de nulle part. Ça fait maintenant plusieurs mois que c'est dans les bacs. Avoir une Hypercar, c'est compliqué. Mais la réaliser en partant de zéro, c'est un véritable défi. Et même un rêve. Efficacité, légèreté, puissance et design d'exception, voilà comment je vois l'ultime de l'automobile. Ce projet, c'est un véritable challenge technique et vidéographique. Car la finalité est belle, certes, mais comme pour le projet GT40, le chemin pour y parvenir est encore plus beau. C'est pour ça que je vous embarque dans cette aventure, en vous proposant de la vivre avec moi à travers une multitude de vidéos. Comme la GT40, mais encore mieux. C'est un projet qui représente beaucoup de travail, mais aussi du matériel et des pièces. Et c'est pour cette deuxième partie que je fais appel à vous. C'est officiel, je lance la cagnotte de l'hypercar. Mais avant de vous expliquer tout ça en détail, j'aimerais faire un petit flashback. À la base, moi je suis quelqu'un de très discret, je fais mes petites affaires dans mon coin et j'en parle qu'à des potes. J'ai très vite suivi un cursus scolaire en rapport avec ma passion pour l'ingénierie mécanique. Et en parallèle, je bosse en autodidacte sur mes projets perso. J'ai aussi très vite compris que l'école t'apprend bien la théorie, mais la pratique et le concret, ils connaissent pas trop ça. Ce mélange école et donc théorie et projet perso plus dans le concret fait que j'acquiers beaucoup de compétences et d'expérience. En 2017, je finis d'équiper l'atelier en machine-outil et je me mets en tête de faire une bagnole. La GT40. Quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Gros consommateur de YouTube, je me dis, et pourquoi je ne partagerais pas ce projet en vidéo? Peut-être que ça intéresserait des gens. Courant 2017 et pendant 10 mois, je fais la conception de la voiture et la modélisation 3D et on est déjà à 1000 heures de travail au compteur. Début 2018, je sors les plans et c'est parti pour la fabrication de la voiture. Je travaille sur la voiture et en même temps, je me filme avec ma caméra. Le soir, je travaille sur la conception de la voiture. Je réfléchis quoi. Ça, vous ne le voyez pas en vidéo parce que le montage fait que ça paraît très simple, mais ça ne l'est pas. D'ailleurs, le montage, on en parle. C'est la tâche finale avant la publication de la vidéo et tout ça, ça me prend minimum 15 heures. C'est beaucoup. Le projet avance bien et vous commencez à être nombreux. Au début, c'est les potes. 6 mois plus tard, nous sommes 1000 et ça continue. La croissance de la chaîne est difficile au départ. Faut dire que la première année, la GT40, elle ressemble à ça. Donc voilà, il y a encore du taf. J'ai d'ailleurs beaucoup de reconnaissance pour les premiers abonnés, mais aussi pour les collègues vidéastes et les autres personnes qui ont partagé mon projet au tout début et qui ont cru en moi. Il y a un peu plus d'un an, on franchit les 100 000 abonnés. C'est incroyable. Et c'est seulement à partir de ce moment que le travail finit par payer et que les OP arrivent. Je commence enfin à rembourser petit à petit mon projet. Je deviens donc YouTuber vidéaste, caméraman, monteur, concepteur, soudeur, constructeur et comptable. Vous l'avez compris, je crée ma société et j'en suis fier. Je suis le PDG et tu es aussi celui qui va se prendre des taxes. C'est pas faux. Mine de rien, la GT40 commence à ressembler à une voiture, elle démarre et elle roule. 4000 heures et 4 ans plus tard, j'ai réussi. J'ai conçu et fabriqué une voiture dans mon atelier, ma GT40. La bagnole de mes rêves. C'est sympa sur le CV. Bon bref, après 3 ans sur YouTube, vous commencez à savoir comment je fonctionne. J'avance le projet et je filme. Je structure tout ça. Et ensuite, je sors la vidéo en décalé. Mais c'est scandaleux! Calme-toi, Jean-Eduardo Emmanuel. Non, parce qu'en fait, cette technique, c'est le gage de vidéos de qualité. Ça permet de classer les vidéos dans un ordre logique et agréable, et c'est surtout indispensable dans un tel projet. Et spoiler alerte, les films, les séries et même les autres vidéastes font pareil. Et ça permet une autre chose aussi, bosser sur le prochain projet. Celui-là. Parce que pendant que vous mettiez les dernières vidéos de la GT40, Benjamin, lui, il préparait la nouvelle série sur l'hypercar. Et ce nouveau projet, on va en parler tout de suite.
On repart donc sur la conception et la fabrication détaillée en vidéo d'une nouvelle voiture. Les explications, la conception, l'usinage et la fabrication, on va tout éplucher. Un projet ultra sérieux dans lequel on va mettre une petite dose de bonne humeur et d'humour. Et on ne parle pas de fabriquer n'importe quelle voiture, on parle d'une hypercar. En termes d'insolence, on est au max. Mais je pense que vous vous demandez tous à quoi ressemble cette hypercar, son design, ses lignes. Eh bien, je vous laisse découvrir ça tout de suite. Bon, j'espère que ça vous plaît. Il y a beaucoup d'inspiration, c'est un gros mélange, c'est un gros mix de tout ce que j'apprécie sur certaines voitures. Et c'est pour moi la vision que j'ai de l'hypercar. Ce design, je ne l'ai pas fait seul. Et devinez qui j'ai appelé au renfort? Eh bah oui, le designer et youtubeur, Laurent Schmitt. Salut à tous. Un designer, c'est bien, mais avec un artiste 3D, c'est encore mieux. Et il s'appelle Orlando. On a énormément travaillé tous les trois ensemble. Et le résultat, on en est fier, et c'est celui-ci. Et je suis sûr que vous êtes curieux de savoir comment on part d'une idée qu'on a dans la tête à un dessin, à des formes en 3D jusqu'à une véritable automobile. Autant vous dire qu'il y aura de quoi se mettre sous la dent, parce que ça va être du lourd de ouf, le projet, hein. Pas la voiture. Vous allez comprendre. En parlant de poids, du coup, on va tout de suite passer aux specs, aux caractéristiques de la voiture, parce que je sais que dans les passionnés automobiles, ça va vous intéresser. Un rapport poids-puissance de 1,5 minimum, soit une Bugatti Veyron, 1000 chevaux pour 2000 kg. Ça peut s'appliquer aussi pour 500 chevaux pour 1000 kg. Minimum. On peut aussi se taper le délire 1-1, donc 1000 chevaux pour 1000 kg, mais 1,5, c'est ouf, et c'est que le minimum. Je veux un poids-plume se rapprochant des 1000 kg. Je veux pas une enclume, mais une voiture agile. Du calibre de la McLaren F1, par exemple. Minimum. Oh, le type, la McLaren F1, la Bugatti Veyron, minimum. Quelle insolence. Bah ouais, c'est insolent, mais on va le faire. Pour mener à bien tout ça, l'objectif, c'est full carbone. Vous savez, la matière qui offre une rigidité incroyable pour une masse ridicule. Mais ça va pas juste être 2-3 pièces en carbone, non. Ça va être le châssis et la carrosserie en carbone. Des pièces significatives quand même. Une monocoque carbone, les amis. Ce genre de technologie est réservé aux hypercars et à la compétition comme sur les F1. Même sur une Fefe 488 Pista ou une Lamborghini Huracan, t'as pas ça. Sur YouTube, on connaît très bien les stages machin truc avec la carto et tout, mais ça ne vous dirait pas d'expérimenter avec moi le meilleur de la mécanique, et pas que au niveau du moteur surtout. Du train roulant de compétition sur mesure, de la pièce taillée dans la masse, de la pièce performance, on veut ce qui se fait de mieux, pas vrai? Sauf que l'hypercar, est-ce qu'est le caviar à la bouffe? Cher. Ce qui nous amène à la partie délicate du financement de ce projet. La GT40 est un projet que j'ai réalisé avec mes finances personnelles, ce qui explique pourquoi il y a un moteur V8 Audi et pas un Ford. J'ai fait ce qu'on appelle des compromis sur cette voiture. Mais le principal, c'est que je sois arrivé à mes fins. Et puis merde, vous les voyez beaucoup, vous, les compromis? C'est plutôt réussi, non? Bref, pour ce projet d'hypercar, je ne souhaite plus avoir cette barrière du budget. Ou du moins, j'aimerais qu'elle soit beaucoup moins importante. J'ai envie d'exprimer pleinement ma créativité et mes compétences. C'est le moyen aussi de vous montrer des nouvelles pièces mécaniques et des nouveaux procédés de fabrication encore plus dingues. Donc les vidéos vont être davantage riches en nouveautés et en découvertes. Au-delà du matériel, ce projet, il demande des milliers et des milliers d'heures de travail, que ça soit en conception et en fabrication. On appelle ça la main d'œuvre et c'est ce qui coûte le plus cher. Mais par chance, elle est déjà là et c'est la source des vidéos de la chaîne. Vous l'aurez compris, j'ai besoin de vous pour réaliser cet énorme projet et ainsi vous régaler avec plein de super vidéos. C'est pourquoi j'ai lancé aujourd'hui la cagnotte participative sur le célèbre site KissKissBankBank. Le lien est en description de la vidéo et il est épinglé sur le premier commentaire. Je vous ai prouvé qu'avec seulement 20 000 euros, je réalisais une GT40 et j'allais au bout. Alors imaginez si on débloque le budget. On va un petit peu rentrer dans les détails de la cagnotte. Tout d'abord, elle fonctionne par palier. Le premier palier est à 75 000 euros. Bah oui les gars, on parle d'une hypercar ici, hein. Écoutez bien, ce premier palier à 75 000 euros rendra possible
la réalisation de la série Hypercar, mais il ne sera pas question de carbone. Pas de carbone du tout. C'est trop cher en fait. Et on en vient au deuxième palier qui est à 200 000 euros. Et là, c'est direction la Lune. On se fait une monocoque tout en carbone, carrosserie tout en carbone, pièce performance incroyable. Rien que d'y penser, j'en ai les frissons. Et au-delà, c'est le soleil, mais on a encore le temps d'en reparler. Mais j'ai des idées. Sachez aussi que si les 75 000 euros du premier palier ne sont pas atteints pendant les 40 jours de la campagne, tout le monde est remboursé. Mais pas de voiture, pas de série, pas de carbone, et pas de carbone, pas de carbone. Techniquement, l'argent sera utilisé dans ces 4 catégories. La carrosserie, où tout est à faire, c'est simple, il n'y a même pas les moules. Rien que les moules, c'est plusieurs milliers d'euros. Les pièces performance, donc le moteur surpuissant, la boîte de vitesse des enfers, les étriers 34 pistons, du lourd. L'unité de mesure, c'est le kilo-euro ici. Le châssis tout en carbone, si et seulement si on atteint le palier des 200 000 euros. Mais au fond, je sais que vous en avez envie, tout comme moi, de voir un châssis monocoque carbone. Pour votre information, et d'après les estimations et les devis, il y en a déjà pour plus de 20 000 euros de matière carbone. On parle bien du torchon de carbone. Ça, pas le châssis, juste le torchon de carbone, le tissu de carbone. Rien que ça. C'est énorme, ça coûte horriblement cher le carbone. La dernière catégorie, c'est tout le reste, les roues, la matière première diverse, la visserie et 1 million d'autres trucs. Comme je vous l'ai dit, réussir cette cagnotte, c'est d'une part faire cet hypercar, mais aussi vous régaler avec des vidéos ultra intéressantes sur les coulisses de la fabrication de cet hypercar. Faut savoir aussi que tout l'argent récolté pendant cette cagnotte, il va pas être directement pour le projet. Ça serait trop beau. Et d'après un calcul de type comptabiliteur, on peut vite voir que plus de la moitié fout le camp. Et c'est comme ça. Dans les dépenses qui partent, il y a vos contreparties. Ce sont vos cadeaux, vos souvenirs de cette aventure. Et là aussi, il y a des paliers en fonction de vos dons. Sachez qu'en tant que participant à la cagnotte, vous devenez automatiquement producteur de la série Hypercar Benjamin Workshop. C'est la classe quand même. C'est comme dans les films quoi. Moi j'ai produit Star Wars Le Retour de la Rome. Moi j'ai produit la série Hypercar. Les cadeaux, on en parle. Fond d'écran, poster, t-shirt, casquette, sticker. Ce sont toutes des pièces qui seront seulement disponibles pendant la cagnotte et pas après. Et donc, c'est collector. Et la Benjamin Workshop Entertainment Company est fière de vous présenter le savon. Faut que c'est propre. Cette blague va me coûter beaucoup trop cher. Et dans les contreparties notables, vous l'attendiez. La GT40 Mango à l'échelle 1/18. C'est la véritable peinture de la voiture avec les stickers et tout, et en plus, je vous la signerai. J'ai déjà si mal. C'est donc une série limitée et signée. Et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et pour les 100 premiers acquéreurs, la miniature est en promo. Donc, dépêchez-vous. J'insiste sur la miniature parce que déjà j'adore ça, et puis elle est trop mignonne quoi. C'est pour moi aussi le meilleur moyen de montrer votre soutien pour la série GT40. Vous avez été nombreux à suivre l'aventure, j'ai été heureux de vous la partager, et c'est en quelque sorte un petit bout du projet que vous pouvez avoir chez vous. Et si vous souhaitez la miniature et en plus tous les cadeaux des packs précédents, j'ai créé le pack full, il est beaucoup plus rentable pour vous. Et si vous êtes méga chaud, il y a le pack premium. C'est simple, vous avez absolument tous les cadeaux, mais en plus et surtout, vous aurez l'occasion de passer une journée avec moi sur un circuit avec la GT40 et donc de faire un baptême dans la GT40. C'est cool, non? Et enfin, si vous êtes une entreprise, une marque ou que sais-je, et que vous souhaitez être partenaire du projet, je vous invite à me contacter à cette adresse précise, elle est aussi disponible en description de la vidéo. Bref, je suis trop content de vous avoir annoncé ça, de vous montrer un peu les perspectives de la chaîne YouTube avec ce projet d'hypercar, de la série hypercar. Je pense que ça va être un truc de fou. C'est comme je vous l'ai dit, c'est du jamais vu sur YouTube. Et je suis trop content en fait de pouvoir faire ça et d'avoir le privilège de pouvoir le faire avec vous. Donc je compte sur vous, ça va être dingue, j'en suis sûr qu'on va arriver parce que vous êtes une communauté qui est incroyable. Vous êtes nombreux à être en commentaire dans les vidéos à chaque fois. Vous êtes adorables, je prends beaucoup de plaisir à lire vos commentaires. Vous êtes des passionnés aussi, des passionnés automobiles, des passionnés de conception, des passionnés de curiosité aussi. Et vraiment, vous me correspondez et franchement, je trouve que c'est incroyable, vraiment. Je vis ma meilleure vie en fait. L'ambition du projet est présente, mais elle est tout à fait à notre portée. Donc pour participer et rendre possible cette grande aventure technique et divertissante, il vous suffit de cliquer sur le lien vers la cagnotte KissKissBankBank. Ils ont fait leur preuve pour d'autres cagnottes
organisé par d'autres vidéastes dans le YouTube Game. Tous les liens sont en description de la vidéo et épinglés en commentaire. Vous pouvez pas le rater, c'est sûr et certain. Je vous rappelle que l'objectif, c'est de faire une série vidéo sur une hypercar full carbone. Et pour cela, il faut péter les compteurs et aller au minimum sur le palier des 200 000 euros. Mais j'en suis sûr qu'on en est capable. On va faire cette hypercar tout en carbone. C'est le début d'une nouvelle et d'une grande aventure. Ça va être incroyable. Et je vais le faire avec vous. À très bientôt sur Benjamin Workshop, la chaîne où on concrétise l'impossible. Salut !